Bonjour à toutes et à tous, c'est Wanyan pour Voice Chronique. Je prends tout de suite après pour le prochain épisode du Let's Play RP avec des Falmer. Vite petite créature. J'avais déjà entendu parler de toi à Cyrodiil. En mal. Et apparemment, ta réputation te court. Une carpe sur lui. Bon, ses oreilles, ça peut servir à l'académie. C'est vrai que j'ai oublié que maintenant c'est des Falmer qui vivent dans les ruines. Au plus profond. Protégés par les constructions des Dunmer. Enfin des Dwemer. Dunmer étant les elfes noirs. On va pas trop les mépriser, parce que malgré la petite taille, j'ai ouï dire qu'ils étaient très puissants. Un arc Falmer. Il fait autant de dégâts que je pense que mon arc Dwemer doit être à peu près la même chose. Lingot, mais j'en ai déjà largement été. De toute façon, je suis pas doué en forgeage. Oh non! Un mage Falmer. Vaut mieux pas. Un mage de glace en plus. Non, j'ai été empoisonné. J'ai pas d'anti-poison en plus. Ça. Brûlé par les flammes de l'oblivion. Brûlé. Merci mes années en conjuration. Je me permettre d'invoquer des flammes plus puissantes que la moyenne, venant tout droit de l'oblivion. Par où? Par là, je pense. Ça va, Carjo? Pas trop près de dégâts? Je suis toujours empoisonné. Est-ce que je serais pas malade aussi? Je suis stupéfait. Ah oh, si je ne peux pas passer. Ah mais si. Oh, on va pas s'asseoir sur un banc quand même. Bon allez. Posons-nous pendant une heure. Vous nous emmenez dans une région chaude, j'espère. J'aimerais bien. Khajiit surveille vos arrières. Khajiit, t'es pas obligé de t'appeler comme ça. Hein. C'était mon ami. T'es pas un Khajiit pour moi. Enfin t'es pas qu'un Khajiit. Intéressant. Ce sont quand même des créatures sauvages. Dotées d'intelligence. Ça c'est la race de Chorus. La plus puissante que l'on puisse trouver en bord de ciel. Autant dire que j'ai de la chance. Derrière toi. Bien joué. J'espère ne plus en avoir croisé. Ils ont des nids aménagés. Ah, ça doit être son sang. Ça devrait aller venir de dessus. Et ça c'est du Chorus beaucoup moins puissant. Quand même se méfie. Qu'est-ce que j'ai comme spell? Ah la barrière. Vous voyez comment ces Chorus sont beaucoup plus petits. C'est juste en dessous. Du gros papa qu'on a vu. Ah oh, je vous fais pas d'ellipse là. Hein. C'est que vous aimez pas.
Ah par contre je reprends ici, ah, si je veux faire une ellipse jusqu'à temps que j'arrive là où j'étais. Ellipse. Re les gens, alors on est arrivé juste au moment où on était. Bon j'ai encore tué le Reaper sans problème. Mais lance cette spell. De vie. Si. Juste un seul, ça va. Mais où est le chorus? Vite, il me faut du truc de soin. C'est pas du soin, mais ça devrait aller. Résistance au poison. Fort de santé. Tout ça pour un tout petit animal. Minuscule. Je vais attendre pendant une heure. Histoire de panser mes blessures. Ça va mieux. Je commence vraiment à m'en sortir pas bien. En rentrant, on rentre à Blancherive, dans l'académie. J'essaie de soigner mes maladies. Ça c'est un plus moyen modèle. Mais il n'empoisonne pas lui. Et dire qu'il y a des mecs qui chassent ça pour la nourriture. Cela dit, une tourte au chorus, c'est très bon. Champignons, toujours bon à prendre. Oh non! Ça c'est un dark. C'est un Falmer beaucoup plus puissant. Qu'est-ce qu'il a ce donjon? Il a tout mais en beaucoup plus puissant. C'est même plus censé exister ça. Un rôdeur. Rôdeur Falmer, on le reconnaît, c'est spell beaucoup plus développé. C'est sort beaucoup plus développé. Dark Falmer, on reconnaît un peu sombre. Il a ses yeux rouges. Attendons ici une heure. Ça va bientôt faire une journée que je suis dans ce donjon. Vraiment que je commence à dormir. Je sais. Allez-y, je sais que vous pouvez le faire. Bien joué. Excusez-moi, pardon. Attends, on a Krona qui veut pas se pousser. Qu'est-ce que j'ai sur moi? Ça j'en ai besoin. Ça j'en ai pas spécialement besoin. Ça libère beaucoup de place. Un Falmer dans la brume. Sans doute durée. Mais. Celui-ci est armé. Je veux dire qu'il a une armure. Ah, vite créature.
Non. C'est rien. Crochet, enfin, c'est beaucoup trop évolué. C'est bon, j'étais sans doute mon acronac. Alors ça repart, il y a quelque chose. Où est mon arc? Il y a un rôdeur et un normal. Enfin, c'est d'après ce que je vois. Ça va, Carjo? Pas trop fait mal? Quand même foutu un coup en toute ton épaule. C'est vrai qu'ils se nourrissent de poissons, j'avais oublié. J'ai appris beaucoup de choses à l'académie, mais pas l'académie des mages d'ici. Est-ce que tu connaisses pas bien en Felmer? Je sais pas comment il a fait pour survivre jusqu'ici, lui. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir de l'autre côté? J'ai juste cherché un bâton. Encore un Falmer. Mais je sens que je me rapproche. Oh non, du chorus derrière. J'ai évité son crachat. Bien sorti. Non. Il a eu temps. Non. Pas toi. Pas toi, Carchot, non. T'es si jeune. Je te jure. Je te jure qu'un jour. Je vais te venger. Je vais pas simplement te venger à deux. Je vais te venger tous ceux. Tous ceux qui ne croyaient pas en toi. Ton amulette de lune, je vais la garder. Bien précieux, c'est marrant. Non, ça ne se fait pas. Rejoins tes parents. Je te donne ceci. En guise de notre amitié permanente. Je vais te faire une funéraille, comme on fait chez moi. Je peux pas faire ça. Moi c'était qu'un animal, mais Carjou c'était mon ami. Vous promets d'honorer sa mémoire jusqu'au bout. Je me le promets.
Attends. Meurs. Créature des enfers. Je vous déteste. Vous avez tué mon ami. Mon seul ami. Avec Lydia. Il faut que j'aille l'apprendre. Il faudra que j'aille prévenir Lydia de ce drame. Je sens vraiment pas bien. Pardon, ici. Pendant quelques heures. Quoi, Spalmer? Sale bête. Jamais je laisserai mémoire de Carjo derrière les barreaux. Il nécessite une clé. J'ai besoin d'une clé pour l'ouvrir. Où c'est que je pourrais trouver ça, moi? Peut-être par ici. Oh. C'est fermé, cette serrure m'a l'air d'être bien trop compliquée pour moi. A mon avis, ça doit être par ici. Qu'est-ce qui se passe? Je suis déjà passé par ici. Non. Attends quand même. La clé. Elle est là. Vite. Je fais tout ça pour Carjo. Y'a rien d'autre. Je sais que ça devait arriver un jour. C'était pas un vrai guerrier, mais... Ici. Je suis encore chaud choc. Il en faudra quelques temps pour m'en remettre. Par quelques années. J'y suis presque. L'observatoire de Wemmer. Un Falmer mort. C'est vous? Non. J'avais presque perdu espoir. Je m'occupe de la porte. Ouvre-moi. Qu'est-ce que... Que faites-vous ici? Qu'est-ce que vous avez fait de Gavros? Votre ami Gavros est mort. Ce sont les Falmer qui ont fait le coup, non? Les maudits. Ils ont tout fichu en l'air. Si Gavros est mort, il n'y a plus aucun espoir. C'est pas le moment de m'énerver. Vous devez revenir avec le cristal. Sans cet objet, tous nos efforts auront été vains. Et vous? Si vous êtes là pour trouver un trésor ou des perles de sagesse, vous avez perdu votre temps. J'en ai peur. Quoi? C'est quoi cette histoire à propos d'un cristal? La première fois, ça n'a pas marché. J'ai essayé de le dire à Gavros, mais il a refusé d'écouter. Il ne fera pas trop froid, qu'il disait. Ben voyons. Et quand on est arrivé ici, la focale était faussée. À cause du froid, évidemment. Gavros a dû le faire ramener en Cyrodiil. Et nous, on est restés là pour repousser ces maudits Falmer.
Attendez, je mange un bout. À quoi sert le cristal? C'était une idée de génie. La mienne, même si Gavros se l'est approprié. C'est un secret. Une affaire du synode. Impossible d'en parler. Sur le bâton de Magnus. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider. J'aurais besoin du cristal pour cela. Et je ne l'ai pas. Si je trouve vos cristals, que vous recherchez, vous m'aiderez. J'ignore le genre d'aide que vous attendez de moi. Mais si vous trouvez le cristal, je vous serai très reconnaissant. Trouvons ce cristal. Eh bien voilà. C'est définitivement pas par ici. Nous avons trouvé ce putain de cristal pour trouver ce bâton de mort sur lequel Carjour a donné sa vie. Ah! Donc c'était ceci que je n'ai pas voulu prendre. Bien entendu. Que je suis bête parfois. Où veux-tu, mon cher petit? Excusez-moi pour ce petit moment d'absence. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez trouvé le cristal. J'ai trouvé votre cristal. Ah, tiens donc. Et moi qui commençais à penser que Gavros s'était fait tuer juste pour me contrarier. Avec les Falmer qui rôdent dans le coin, je ne peux pas le faire seul. Vous allez devoir m'accompagner. Je vous expliquerai en chemin. D'accord. Quoi que dise Gavros, cette idée est de moi. Et le conseil la prendra à mon retour. C'est moi qui ai pensé à utiliser cet oculaire. J'ignore le nom que lui donnaient les nains, mais ils sont sables, j'imagine. Nos recherches ont montré qu'ils cherchaient à découvrir. Ok. Conçu pour capter la lumière des. Et après, je ne sais pas. Scinder ces différents. Cela a demandé des mois d'enchantement. Espérons qu'ils ne se sont pas trompés cette fois. Espérons. Bah allez, histoire culte des Dunmer. Prenons-le. Toutes les études de Dunmer. Enfin, de Dwemer, désolé. Plein de livres. Excusez-moi, je croyais qu'il fallait que je monte. Désolé. Oui? Qu'y a-t-il? Avancez. Et voilà. Magnifique. C'est vrai. La machine en marche a demandé énormément d'efforts. Espérons que cela en vaudra la peine. Placez le cristal dans l'appareil central et nous entamerons le processus de focalisation. D'accord. Ah, il faut que j'aille le placer dans la machine. Excusez-moi, hop. Ça ne sert à rien d'aller ici, il faut régler là-bas. Bon, moi vous savez hein. Ah d'accord, donc il faut que chacun des cristaux soit sur... Ok. C'est très mal réglé tout ça.
tout est censé se renvoyer, je crois. Attendez, je n'ai pas bien compris. Vous voulez quelque chose ? Que dois-je faire ? Il est nécessaire de focaliser le cristal. Il a été fabriqué bien loin d'ici. Nous savions que l'usage serait nécessaire. Le cristal gonfle ou se contracte selon qu'on le chauffe ou qu'on le refroidit, ce qui modifie sa diffraction de la lumière. Vous allez devoir utiliser des sorts. Comme c'est l'Académie qui vous envoie, j'imagine que vous les connaissez. Il doit y avoir quelques volumes basiques par ici, des fois que vous ayez encore plus de lacunes que ce qu'on m'a dit. D'accord. Eh bien voilà. Ceci est bien placé. Peut-être en les faisant refroidir. Ouais, si on les fait refroidir. Un petit peu plus chaud peut-être. Le reflet tout celle-ci. Ah d'accord. Un petit peu plus chaud. On va être plus au maximum. Ça m'énerve, comme ça. Et celle-ci. Bon, on va bien voir, on va essayer. Je vais essayer sur l'anneau du haut. Qui est plutôt bien placé, je pense. C'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Ah. Là. Un d'activé, un de bon. Le deuxième il est bon aussi. En fait ils sont tous bons, c'est bon. En fait d'en bas je voyais pas bien, mais d'en haut on voit mieux. Hop, et le dernier. Encore deux coups. Un coup. Deux coups. Ces années de travail vont enfin payer. Qu'est-ce que ceci ? Ces résultats ? Ils devraient être différents ? Qu'est-ce qu'il y a ? Cette projection devrait s'illuminer comme ah. Une étoile de la nuit. Cherchez-vous à me retarder dans mon travail ? Non. Alors, qu'est-ce qui vous amène au juste ? Vous savez ce que nous tentions de faire ? Vous êtes là pour vous assurer que votre plan a fonctionné et que vous avez réduit nos efforts à néant. Eh bien, expliquez-vous. Vous ferez mieux de vous calmer. Vous parce et votre mon ami est mort. Vous avez réduit à néant des années de travail. Les Falmeurs ont tué mes collègues ainsi que mes amis. Et vous voudriez que je me calme ? Comment avez-vous fait ça ? Je ne comprends pas ce qui vous met dans cet état. Regardez !
Il devrait être plus brillant que le ciel nocturne. Mais non. C'est forcément vous qui avez interféré. Ou alors... Vous avez quelque chose à votre académie, n'est-ce pas? Quelque chose de bien plus puissant que je ne le pensais. De quoi s'agit-il? Non. Je te montre peut-être quelque chose, oui. Voilà une éventualité que je n'avais pas envisagée. Si cela a été pris en compte, ces résultats sont plus logiques. Vous pouvez m'aider à trouver le bâton de Magnus, oui ou non? Ah oui, le bâton. Intéressant. Je ne peux pas vous l'expliquer en détail. Cela me forcerait à révéler de nombreux secrets que le Synode préfère garder. Je doute que vous soyez capable de comprendre les détails. Avez-vous déjà vu le planétaire à la cité impériale? C'est cet endroit qui nous a donné notre idée. Au lieu de projeter le ciel, nous projetons tout Amriel. Puis nous exploitons les énergies latentes pour superposer les positions. Ce qui compte, c'est que ce travail a été réalisé pour nous révéler des sources d'immenses pouvoirs magiques. C'est uniquement pour défendre l'Empire, bien sûr. Et pourtant, au final, seuls deux lieux nous ont été révélés, dont votre académie. L'autre? Eh bien, ce ne peut être que le labyrinthe. Alors, mage de forme d'air, j'ai quand même réussi à vous battre à votre petit jeu. Soit me battre. Vous êtes en train de mentir, soit vous avez quelque chose à faire d'hiver qui intéresserait grandement le conseil du Synode. Alors filez donc au labyrinthe pour chercher votre fichu bâton. Moi... Je vais retourner en Cyrodiile pour faire mon rapport au conseil. Vas-y. Ce n'est pas terminé, je vous le garantis. Tant mieux. Ta gueule. Je crois que nous avons terminé. Pas où que je pourrais m'en aller. Il n'y avait pas de porte là-bas. Oh, je sais. Il ne dira rien si je lui vole ses affaires. Ah. Vous avez fait du bon travail jusqu'ici. Oh non. Je m'en doutais. Vous devez impérativement retourner dans votre académie immédiatement. Nous vous demanderons de prendre des mesures immédiates. Relevez le défi et vous découvrirez de quoi vous êtes capable. Vous êtes sur la bonne voie. Vous triompherez. À la prochaine. Tournons à l'académie. Avec Carjo n'est plus là. Et ils ont enlevé le cadavre. Tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? C'est en canon. Il est à l'intérieur et il fait quelque chose. Nous ignorons quoi. Nous essayons d'entrer en ce moment même. Le paiera de sa tête, je vous l'assure. Aidez-moi à éliminer cette bête. On lui jette tout ce qu'on trouve à portée de main. Je me moque de savoir ce que c'est. Je veux que vous le descendiez. Je veux savoir ce qu'il fiche ici. Non ! Il est où? En canot. Arrête tout de suite. Ça va? Vous pouvez marcher? Allez, levez-vous. Je pense. Je crois que ça va. On ne peut pas l'arrêter. Je n'ai pas vu Savos depuis l'explosion. Il est peut-être blessé. Il faudrait que vous trouviez l'archimage, et vite.
Allez, dépêchez-vous. D'accord, d'accord. Que se passe-t-il? Ça va aller. J'ai juste besoin d'une minute pour reprendre mon souffle. Ok. Trouvez Savos. Peut-être dehors, peut-être dehors. Au revoir. Vous allez bien? Que s'est-il passé? Sur le canot. Il fait quelque chose, je le dis. Par les neufs. Est-il responsable de tout cela? De la mort de l'archimage? L'archimage est mort? Ce n'est pas tout. Il s'est passé quelque chose à Fort Hiver. C'est sûrement à cause de lui aussi. Vous devez aller vérifier que tout va bien. Il n'y a pas une seconde à perdre. Je vais aller chercher Mirabel. Nous essaierons d'y mettre un terme. Bon, l'épisode tout son longueur, du coup je vous dis à la prochaine, c'était Wagnon pour Ballistic Chronicles.